Alors là, on a eu le chat, on a eu le... Le serpent. Le serpent Et et le le poulet. poulet, donc... Il nous manque le loup. Le loup. Le poisson. Oh, j'avoue, on n'a pas de créatures marines là. Oh, le dernier ennemi, un hippocampe, ça va être incroyable. Un Soyez prêts là. hippocampe. Le L'hippocampe. crapaud! Le crapaud! C'est parti pour le boss. Ouvrons cette porte grâce au pouvoir de l'étincelle. J'en veux 25 aujourd'hui. Ça, t'es pas très gourmande, hein, quand même. Non, ça va. Je veux que les gens puissent finir le jeu même sans ramasser les trucs. C'est gentil, Stella, c'est gentil. Alors pourquoi on en ramasse autant, Stella? En Tu vrai, verras plus tard. je sais pas. Je te le dirai à la fin. Au final, Non, la non, robe ça va être. pâtissière, ça fait couleur peach. C'est vrai, Repto, Repte, Repte, Repte. Rip 2, Ripto, Ript 1. Quoi? J'ai oublié son nom là, ça y est. Repto Flash? Repto Flash, le de retour. Repto Flash 2 là. Non, elle. Elle. Dame Syra. Peach, Estella, comment pensez-vous défaire ainsi mes pièces pourtant grandioses? Pourtant, on joue pas à 3 pitch en même temps, je comprends pas. Free Sword. En Il est Triforce maintenant Heroes. clair que je vous ai sous-estimé et que je devrais même vous considérer comme des rivales. Malgré vos efforts, la scène qui doit accueillir ma grandiose œuvre tragique sera bientôt terminée. Eh ben c'était un chien. Un lion? Non, c'est un lion. Je dirais un lion, ouais. Lubilion! Sois gentil, occupe-toi de ses casse-pieds! L'humidion. On va Ah l'humilier, oui. Lumière moteur action. Oh, il est petit, il est gentil, il est ronron, il est chaton. Ok, très bien. L'humilion? On dirait un chien légendaire. C'est vrai, hein? N'oublie pas que tu peux attaquer en haut. C'est vrai? Ah oui, mais bon, c'est. Ok. En C'est courte effet. portée, hein. On va faire un laser! Ah ouais, d'accord. Ok, c'est marrant. Tu vas devoir jouer avec la réfraction de la Il lumière. joue à la baballe! C'est doudou! Ah, Finalement. j'avoue. Mais moi, c'est peut-être bien un chien, et pas un vieux. Non, mais je pense que c'est un chien. Lumilou. Loumi. Loumi, oui. Lumière. Après, il peut s'appeler Spot, hein. C'est un bon Non! nom de chien. J'ai échoué. C'est pas fini, t'inquiète. Plein de secondes chances. Waouh. Il est pas content là. Laser! Non, on peut pas envoyer ça. Bah, peut-être que si, mais le dernier rayon, quoi. Genre maintenant. Bah ok, il l'a pas envoyé jusqu'à moi là. Non, je pense qu'en fait on peut pas. Mais on dirait qu'il dit Aouh! Clairement oui. Regarde, ouh! Non mais en fait, on sait pas, c'est qu'il y a des gens, ils savent pas c'est quoi la différence entre un lion et un chien en fait, donc voilà. Regarde, il fait des petits mouvements de chien et tout. Oh non, il m'a bien eu, il vient de jouer. Il a fait le beau. Bah c'est le lion du tigre, hein. Ah, il y a deux. Tu veux... Ah non. C'est grillé. Ah, il y en a un qui commence à griller, mais pas l'autre. Mais c'est parce que lui, il est fou, en fait. Lui, c'est le vrai.
Moi, je pense plutôt que c'est parce que c'est lui qui t'a touché. Il a une réflexion dans le miroir. Ah, ok. L'autre, c'est un vampire. Attention, parce qu'il y a un truc au milieu. Ah, d'accord. Ah, c'est un truc pour faire des rebonds. Oui. Ok. Non, parce que tout à l'heure, j'étais en mode... Trouve le vrai. C'est celui qui fume. Ou accessoirement, celui qui... Oh, il a fait un dash. Ouais, il va pas sur le côté. Ah, oh, bah il a pas rebondi. Ah non, il a pas mis de miroir encore. Là maintenant, il y a des miroirs. Bravo! Il a l'air vraiment très drôle ce boss. Hein. Ça va, il est sympa, il est sympa. Ça ne va toujours pas à Repto Flash. Bon, si je devais faire un classement, c'est Repto Flash, lui, le chat, poulet. Ah ouais, tu trouves que le chat c'était bien? Moi je trouve que après bah, le combat du poulet c'était fois, drôle. Une fois que t'as compris le truc, c'est bien. Hein. Oui, c'est vrai. Peut-être le chat est mieux. Après le chat, tu peux le bourriner si. Ouais, c'est alors ça, que le tu poulet vois. T'es obligé d'attendre. Ouais, c'est ça. Peut-être le chat finalement. Mais Repto Flash c'était le meilleur. À jamais Repto Flash. Youpi, une grande partie du théâtre a retrouvé sa splendeur et c'est grâce à toi, Peach. Ton étincelle fait vraiment des miracles. On devrait monter une pièce à son sujet. Mais avant cela, il faut qu'on s'occupe de Syrah. Le prochain étage sera le dernier. Peut-être qu'on les trouvera. Mais avant, faisons un entraînement. La pièce kung fu. Vas-y. Je m'en excuse. Éliminer autant d'ennemis que possible. Ah, c'est épéiste le retour. Mais du coup, je dois pas faire toucher, j'ai pas lu, mais... Oui. Ah, donc du coup, c'est confirmé comme étant Kung Fu, celui que je dois prendre à la place de... Très bien. Ouais, épéiste. Je peux, si tu veux. Oh, j'ai cru que... Ah non, ouais, ils sont partis. Ouais, c'est peut-être pas grave. En général, ils sont plutôt généreux. Oh là, en haut. Avant qu'ils ne soient plus là-haut. Oh, c'est bon. Non, c'est pas bon encore. Non, mais je veux dire, t'es presque arrivé à la fin. Et il reste encore du temps. T'as vu comment c'est large? C'est clair. Et les premiers, ils étaient plus durs, là. Bah, je trouve que ceux que t'as fait, ils étaient tranquilles, hein. Bah, alors lui... Oh, bah, c'est pas grave. Bon, est-ce que j'y vais jusqu'à la fin, quand même, pour le beau jeu? Bah, c'est comme tu veux, ouais, vas-y. Hein. Bon, allez, pour voir la fin, quand même. Non, mais c'est clair, là, c'est... Ah, mais ça n'a rien à voir. Moi, je parle. Le gars, il va... Ah, tiens, prends ton petit punch, petit coup là. De poing. Mais c'est trop méchant, mais parce qu'il y avait l'étoile, mais du coup, c'était ouais, pas... Ouais, c'est bon. Oh, la fin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Flemme. Bon. Non, tu l'as pas terminé, du coup, et bah, c'est pas fini à 100%. Bah, on va voir. Au pire, je le referai s'il y a besoin. Non, c'est bon. Bravo, tu as gagné le ruban à carreau. Ah, parce qu'on l'avait pas de base. Non. Ah, je croyais qu'on pouvait effectivement acheter un truc à carreaux, mais pas du tout. Bah oui, moi aussi. Bah moi je dis, on va aller à la boutique. Ouais, tu voulais peut-être faire le niveau bonus avant, non? C'est quoi le niveau bonus? Détective et voleur. Ah, c'est pas les niveaux bonus, c'est la fin. Oui, bah. Mais oui, on va les faire après. C'est des niveaux bonus. Bah c'est vrai que ça, faire un aller à la boutique maintenant pour ensuite retourner à la boutique, c'est peut-être dommage. Mais c'est pas grave, on va voir la robe de Lumillion. Oh, moi je la prends. Franchement, c'est joli. Moi je la prends, c'est bon. Très très bien. Une robe à pois. Ah oui, non, il y avait rayures, ouais. Mais il n'y avait pas carreaux.
Ah oui, c'était des rayures. Donc, j'étais persuadé effectivement qu'elle était en vente. Allez, c'est l'heure de descendre. Bah, en vérité, c'était niveau là pour le coup. Bah. Y'en a pas pour toi ? Non, c'est détective voleur. Mmh. Bah tiens, ouais. Amuse-toi bien, détective. Amusez-vous bien, détective Lou ou voleur Lou. Bah, ça sera détective. Ah, elle est vraiment stylée cette robe. Hein. 8 millions. Ah, mais finalement, il passe deuxième. Il était pas déjà deuxième ? Ah, j'hésitais. Je me disais, est-ce que c'est mieux le chat ou est-ce que c'est mieux le lion ? Et je me suis dit, non, vas-y. On part pour le. Parce que le chat, tu vois, tu pouvais le bourriner bien, mais la robe. En plus, c'est une robe citron, le chat. Ah oui, non, mais c'est tout de suite, il perd des points. Allez, c'est l'énigme ultime. L'étincelliste détective doit se trouver par ici. Interrogeons les gens et cherchons des indices. L'étincelliste détective, connais pas. Et quand bien même, je l'aurais pas vu. Et puis, qu'est-ce qu'il ferait ici, hein? Y'a rien de normal dans le musée. Vous êtes louche, monsieur. J'ai une super bonne nouvelle. L'étincelliste détective a rejoint Dame Syra. C'est une super bonne nouvelle. Comment ça, éclat de génie, genre? Vous êtes louche, vous. Oh non, comment as-tu découvert que j'étais en hérédité un être maléfique? On peut pas te laisser berner. En vérité, je me dis que lui aussi, il est louche. Bah du coup, j'imagine, oui. En fait, y a pas de... On va quand même voir. Au pire, on perd un cœur. Comment t'as fait pour comprendre? Ah, c'est le truc qui dit la vérité. Y'a personne de chez personne. Flair de la vérité. Un étincelliste, qu'est-ce que c'est? Première fois que j'entends ce mot. Vous êtes louche. Vous êtes un théâtrin. C'est impossible que vous ayez pas entendu parler de ça. On n'a aucune chance avec toi. Est-ce que mon ami assistant, il va arriver, tu penses? Non, je pense pas. Oh, il va pas retrouver son détective. Masque de transformation sculpté dans la pierre. C'est pour nous remémorer tous nos endroits que nous avons visités dans le passé. J'ai passé tellement de temps dans ce musée, je le connais comme ma poche. Ah, je n'ai pas le droit de lire ce message. Est-ce que c'est bizarre? En fait, il peut pas les inspecter, les trucs. Non. Ah, là, il y a des chiffres. Hein. Oh, un petit message rien que pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, voici ce qu'il faut faire pour ouvrir les portes centrales. Examine dans le bon ordre les œuvres ayant un élément commun. J'ai foi en ton talent de détective qui t'a permis d'arriver jusqu'ici. Bonne chance. Signé l'étincelliste détective. C'est un message de l'étincelliste détective. Ça veut sûrement dire qu'il est derrière ces portes. Regardons toutes les œuvres du musée pour trouver l'élément commun dont parle cette note. J'avoue, j'ai même pas lu. Un élément commun? Bah, ça n'a rien à voir avec les petits ronds qui sont juste là pour faire joli, hein. Je sais pas s'il faut que je les analyse tous pour gagner une gemme. Je pense pas, moi honnêtement, je me dis que non. Ah, il y a lui par contre qui gêne là. Mais bon, en réalité, il gêne pas, mais. Y'a rien d'intéressant. Va voir ailleurs. Ah, bah oui, faut que je. Je l'analyse. Ouais, c'est ça, là. Vous mentez. Votre nez rougit de mensonge. On va les mettre dans l'ordre, alors. Attends, j'ai pas ouvert le coffre? Si, il est ouvert. Si, il se referme. Bah là, ça fait 1, 2, il te manque le 3, quoi. Il est sûrement derrière. Bravo, j'ai trouvé un bouton. Bravo. Ah, c'était... C'était compliqué. C'est du gameplay tellement difficile. Heureusement, tu... En parlant de ça, il va sûrement falloir que tu fasses un choix, toi aussi. Ah ouais? Sirène ou patinage artistique? Cristal rose. Non, pourquoi je dois faire un choix? Non, mais je sais pas, vu que moi j'ai fait tous les détectives. Est-ce que tu vas être dans une situation pareille? Ah... Parce que moi, je vais faire Kung Fu, et soit sirène, soit patinoire.
Très bien, bah. Prends celui qui te plaît, qui te plaît plus finalement. Oh. T'aurais les faire regarder toutes dans le même sens. Oui, j'imagine. Piou. Je viens de faire le ménage, alors on va pas t'amuser à toucher aux statues. Alors, gauche, devant. On se fait tout seul. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit toute de face. Ça a une tête à avoir l'air de face. Les statues de Théatakien, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Oh, c'était la 3 en plus. Oh, banane. Très très bien. Ça continue encore sur la droite, là. Oui, je crois. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, regarde cette valise. Tu sais ce que ça signifie ? Ah, il faut les faire regarder tout à gauche, du coup. Attends, tu peux scanner sa valise. Sa mallette. Trop bien. Faudrait que je fasse ça. Quoique, je vais peut-être le sauver direct, donc on pourra jamais. Bah si, si, la valise reste, donc je pense que ça va. Ah, oh, c'est magnifique. Le truc reste en plus. C'est vrai que... Tu as entendu ce bruit? Il venait d'en haut. Imagine, tu fais ça avant, puis tu dis, bah mince, comme ça, il y a un bruit, genre, ah, il y avait une... Ah, le truc était là. Mais comment tu veux deviner un truc pareil? Ah bah ça va, tu vois, tu l'as pas sauvé. Je connais cette sacoche. Quelqu'un l'aurait laissé ici. Ah, donc c'est canon que tu l'aies déjà sauvé une fois. Tu as réparé le sol, bravo! Un coffre? Ah, ça va. J'ai quand même les trucs. J'ai encore eu aucune gemme. Si, t'en as gagné une, je crois. Oh, merci Xana Otaku. C'est un peu comme une gemme finalement. J'en ai gagné zéro. Pas du tout, en fait. Non, mais c'est pour ça. Est-ce que je dois tous les analyser? Bah, je sais pas. Écoute, dans le doute. Parce qu'en vrai, ça sert à rien. Oui. Urne théamienne. Tu vois, ce qu'il y a de beau avec tous les pays du royaume champignon, c'est qu'ils ont tous le même passé. Donc il y a des Todd pharaons, mais il y a des théâtriens pharaons aussi. J'avoue, ah bah voilà, c'est la première gemme, donc tout va bien. Ok. Bon, bah je te laisse la vie sauve ou... Un élément commun, aux heures exposées. Bah ça n'a rien à voir avec les petits ronds en fait, c'est juste pour avoir joli, hein. Ah, de l'énigme est résolue. Ah mais en fait, ah mais j'étais pas au courant. Ah, on ne m'a pas prévenu en fait. Oh yeah. Oh yeah. Moi très bien, il est content. T'as résolu l'énigme. Ça lui fait plaisir, plus besoin de rester là. Mon assistant est là. Non, c'est peut-être pas vrai. Ouais, il a dit Oleda là. Il parlait pas comme ça. Mais c'est l'assistant du détective, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis l'assistant venu du futur. Je suis à la recherche de l'étincelliste détective, tout comme vous. Je suis arrivée à la conclusion qu'il a été piégé dans cette salle. Malheureusement, j'ai été pris au dépourvu en trouvant ainsi 4 étincellistes. Je te saurai gré de trouver le vrai. Nous nous reverrons, j'en suis certain. Oh, mais il ne reste pas pour nous aider. Tout de même, je m'attendais pas du tout à le croiser ici. Bah, c'est pas si important. Allons leur parler afin de trouver le vrai détective. Une fois que tu l'auras trouvé, confirme ton hypothèse par un éclat d'intuition. Éclat de génie. Bon, lui, il est trop énervé pour être le détective. Je suis la vraie détective, hein. Je suis la véritable étincelliste détective. Allez, utilise donc un bon éclat d'induction. Là. Ah, éclat d'induction. Éclat d'induction. T'es moi le seul, l'unique. Ah, je suis le seul, unique étincelliste détective, je suis bien content de te voir. Depuis que Dame Sierra m'a capturé, j'ai vécu des choses épouvantables. Allez, enfuyons-nous. Ok. Hmm. Il n'y a pas besoin que je te dise quoi que ce soit. Ton intuition t'a déjà mené à la vérité, je sais que tu y parviendras une fois de plus.
Véritable étincelle détective, bingo, tu l'as juste devant toi. Allez, sors-moi de là et laissons tous ces clowns de côté, parce qu'on a du pain sur la planche. Puis j'ai pas d'assistant, tiens. La place est libre si tu veux. J'avoue que, lui, il a l'air d'être le plus vrai. Tu penses? Mais d'un côté, lui... Je pense que c'est lui le vrai. Enfin, celui de gauche, parce que lui, il te dit « utilise ton intuition et... ». Ah, et c'est pas éclat d'intuition? Je suis bien content de te voir depuis que... tu vois, ils disent qu'il a vécu des choses épouvantables, donc... Ah, je sais pas, moi je trouve que c'est bizarre. Enfin, c'est trop logique! Et d'un côté, lui, parce que... Attends, mince, je veux juste... éclat d'intuition. Après, si tu crois pas, je le fais pas. Hein. Attends. Ah non, on voit pas. Non, parce qu'ils ont une gemme. Tu penses que le méchant, il aurait dit que Dame Syra, elle est trop cool. Il aurait pas dit qu'elle était... Bah ouais. Bah bon. Après... Mais non, c'était un méchant. Adieu. D'accord, mais... C'était trop louche. En fait, je sais pas, moi, tu vois. Ah, je sais pas, il dit « Salut, c'est moi, j'ai vécu des choses épouvantables. » Bah, c'est vrai, en théorie. Il ne ment pas. Oui, bah non, il ment pas. Mais pour moi, c'était lui le vrai. En plus, lui, il dit « Suis ton intuition », genre en mode... Non, mais réfléchis pas, en mode... Il n'utilise pas d'arguments valables, je trouve. C'est pas grave, je n'ai pas douté un seul instant que tu réussiras à m'identifier. C'est moi la détective, ouais, tu vois. Allez, maintenant, allons-nous-en. Comment ça, allons-nous-en? Par là-bas, bien sûr. Après, d'un côté, il a pas l'air très sympa. Hein. Ben oui, mais moi, je sais pas, tu vois. L'autre me paraissait mieux, tu vois. Moi, franchement, on aurait dû le prendre, plutôt. Oh, un tableau. Ils vont devoir trouver un autre chemin. C'est un bootleg. Essayons de trouver des indices. L'intuition est toujours supérieure, c'est bien connu. Le tableau d'un château, je me demande qui l'a peint. Moi, je suis perturbé par cette histoire. C'est une grosse pile de livres. Et si on regarde dedans? Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est du charabia pour moi. Oh, tu ne sais pas lire, Stella? C'est l'enseigne d'une boutique, elle n'a rien de spécial. Cette loupe est vraiment énorme, on peut même pas la prendre. C'est pour ça que Damien ne restera que l'assistant du détective Lowe. Mais il a encore beaucoup à apprendre. Il sait pas encore déceler le ton dans la voix qui fait que c'était louche. Et moi, je suis désolé, non, mais je comprends pas pourquoi celui de gauche était louche. Bah, il était trop enthousiaste. Il en a trop dit. Il était enthousiaste. Plus tu dis de détails, plus tu mens. Bah, il avait l'air content, tu vois. Moi, je me dis, ah oui, mais tu vois, il est content, tu viens le sauver. Moi, tu vois, je m'attendais à un détective gentil, il est content, tu vois, pas le détective, ouais, vas-y, c'est bon, tu vois bien que c'est moi le vrai. Il avait l'allure d'un détective, celui qui dit. Tu vois, c'est moi le vrai, tu me sors de là, là, c'est bon, hein. Mais oui. Utilise ta tête un peu. Mais non, il était pas si méchant. Il était cool. Ouais, non, il était pas cool. Ah. Celui de droite était trop calme pour être méchant, mais oui. Un globe? Tu saurais trouver le théâtre de l'étincelle? Oui, bah justement, je me demandais le théâtre de l'étincelle. Il est au royaume champignon ou il est ailleurs vu qu'il n'y a pas de Todd? C'est bah, pas le ailleurs, royaume champignon? C'est un royaume aussi. Voisin, tu connais? C'est le royaume Végésia, des théâtres. Les théâtrins, enfin, tout ça, il y a tout le temps. Il y a plein de royaumes autour du royaume champignon. Mais tu sais quoi? Il y a même une ville avec des humains qui s'appelle New Donkey Kong City. Un roi géant. Ça se trouve, après, si ça peut te rassurer, c'est peut-être lui aussi un méchant, et il fait semblant d'être gentil. Alors, je sors. Oui, il m'a dit de partir. Ah, il y avait une autre salle, ok. Oh mince, il fallait se voir qu'est-ce qui a disparu. J'aime pas ces trucs-là. J'ai pas fait attention, je t'avoue. Il semblerait que nous ayons été transportés dans un endroit mystérieux. Nous devrions pouvoir trouver des indices. Peut-être il y a un truc sur le mur, non? Oh, il a pris en photo. Comment c'est, j'ai pris cette salle en photo, nous pourrons toujours y référer plus tard. Ouais, moi j'appuie sur capture d'écran en général. Genre comme ça. Ouais, non, je peux pas, je vois pas tout. Mais il y a pas un truc sur l'écran là. Ouais, là il y avait une porte si tu veux. Pas de sortie ici. Mais sur là, au milieu. Ah, tu veux dire, je peux faire un truc comme ça? Non, un B. Un B? Non, B. Non, mais je voulais pas faire ça. Hein. Mais sur le mur, il y avait un truc sur le mur, non? Ici? Ouais. Bah, de toute façon, je peux aller vérifier, hein.
Regarde. Ah bah non, il y avait rien sur le mur. Sympa le mur. Deux salles similaires connectées par une porte. Il semblerait que nous soyons pris au piège entre ces deux salles. Enfin, c'est ce qu'on en fait, je pense que c'était croire. Sa bulle en fait que mais je me disais qu'il y avait un. Il doit y avoir un moyen de nous échapper. Je vais accrocher la photo que j'ai prise sur ce mur. Elle pourrait nous être utile. Ah mais donc il y a bien un truc sur le mur. Ok. Puis là tu vas de l'autre côté, tu vois, tu peux constater avec horreur qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de photo. Oui. Du coup, on est d'accord, donc. Non, franchement, moi, je trouve que c'était la photo. Hein. Vraiment, je reste persuadé que c'était la, le mur, donc, qui était. Il est différent. Ah, là, par contre, tu peux y aller. Ah, mais d'abord, un coffre. En vrai, je trouve que ça aurait été vraiment marrant que ça soit vraiment ça qui faille scanner la photo, quand même. Oh, une caisse énorme! Non, mais... J'avoue que j'ai pas fait du tout détective, mais du coup, ça a l'air d'être pénible, en fait, de scanner un truc. Mais tu parles avec A et après, tu dois faire B. Enfin, voilà. Bon, non, y'a rien ici. J'ai entendu New Donkey Kong City. Non, j'ai vraiment dit New Donkey Kong City. Détective! Détective, par ici, vite! Mais c'est mon assistant, quelle surprise, t'es même arrivé ici avant nous. Oui. La sortie est par là, nous devons nous presser. Ne nous précipitons pas. On va d'abord te poser quelques questions très très simples. Hein? Je veux dire, pas de problème. Avec quel ustensile on coupe la viande, mon cher assistant? Une cuillère. Comme tu le sais. Il n'y a pas de coussin sur le canapé, dans notre bureau. On sait déjà que c'est faux. Alors, si nous devons en acheter un, de quelle couleur choisirais-tu? Dans un moment comme celui-ci, je trouve ce genre de question très étrange. Mais bon, je dirais violet. Très bien. À présent, à quelle heure arriverais-tu si tu devais rencontrer quelqu'un à 9h? Oh bah c'est très très simple, j'arrive à 9h15. Ces questions sont vraiment bizarres, mais celle-là a le mérite d'être facile. Pour rencontrer quelqu'un à 9h, il suffit d'arriver à 9h. Un vrai gentleman arrive à l'avance. Donc, et comme un détective est forcément un gentleman, c'est une très mauvaise réponse. Bah, je vois pas le problème, il va te répondre. Je vois. Je n'ai plus qu'une question. Que penses-tu de Syrah? Syrah bien qui Syrah le dernier. Dame Syrah. Tu vois, Dame Syrah, c'est ça qui les trahit. Ils disent Dame Syrah. Ouais. Je veux dire que... Il y en a marre de ces questions stupides. Il faut vite qu'on s'échappe par cette sortie. Très bien, nous disposons de toutes les réponses nécessaires. Hé, vite, vers la sortie. L'étincelliste détective se comporte très bizarrement aujourd'hui. Si tu le scannes lui. C'était vraiment lui le mauvais. C'était lui. Le coupable, c'est toi. Quoi? Mais j'ai rien fait. Oh, tu as fait apparaître la vraie porte. Je le savais. Cette sortie et cet assistant étaient des leurs. La vraie sortie est devant nous à présent. Nous n'avons plus qu'à nous échapper. Ah ouais, mais non, en fait. Bah non, c'est pas. Mais il te manque pas une gemme? Je viens de la voir. Il tout le temps, toujours la dernière gemme, je la vois pas, en fait. Mais oui, mais elle arrive, pouf, c'est bon, elle est dans ma poche. Et voilà, le ruban détective. Cyrano de Bergerac. Et pourtant, elle n'a pas de nez, contrairement à tous les autres Cyrano, là. Cyrano, ouais, non, Cyrano, trop stylé, hein, très stylé. Mais tu vois, heureusement qu'il n'y a pas Cyrano dans le jeu, parce que il aurait été résolu en espace de 5 minutes. Mmh. Surdoux détective.